Le tireur a été décrit comme sans pitié. Ethan Crumbley, un adolescent de 15 ans, a semé la mort mardi dans son lycée. Au lendemain du drame, le bilan s'est aggravé. 4 jeunes entre 14 et 17 ans ont été abattus. 7 sont blessés. Le jeune garçon a tiré plus de 30 balles sur les gens à bout portant, souvent en visant la tête ou la poitrine. Le meurtrier faisait preuve d'une détermination à glacer le sang, a décrit le shérif chargé d'enquêter sur cette énième tragédie qui choque une nouvelle fois l'Amérique. La fusillade a été perpétrée dans un établissement scolaire d'Oxford, une petite ville de l'État du Michigan. L'arme du crime avait été achetée par le père du lycéen lors du récent Black Friday. Des fusils ont été saisis au domicile familial.